o de ye dɔgɔtɔrɔso dayɛrɛ kɛnɛ ye alhamdulilahi n y'a fɔ n ko dugudenw ka bolodi ɲɔgɔn ma bɛn ani kelenya o tɔnɔ an bɛ o kɛnɛ de kan o dakun na baara o baara bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ de b'a a ɲɛ dɔn o de bɛ kɛ ɲɛ ye mɔgɔ sɔrɔ ka tɔw lasɔmi o la baara bɛ se ka ɲɛ o dakun na an ka dugu dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o y'o seko kɛ kosɛbɛ ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ɲɛmɔgɔba n'o ye alimami jasana ale y'a seko kɛ kosɛbɛ sabu ale de y'an bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye ka se ka siraw yira an na nin kɛnɛ kan an y'a ɲini ka kuma di a ma a ka na ka ɲɛfɔli kɛ baaraw yɛrɛ kɛcogo kan wala ka tɛgɛrɛ da k'an ka dɔgɔtɔrɔ kunbɛn kɛnɛ kan wasa 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 ala k'an bɛɛ wasa Monsieur le gouverneur de la région du Sang, Monsieur le préfet du Sang, Monsieur le président du conseil du Sang, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire de la commune de Tchénini, Mesdames et Messieurs les maires des communes environnantes, Monsieur le médecin-chef du district sanitaire du Sang, Monsieur le président de la plateforme, Monsieur le président du chef de service du développement social, honorable Adama Diété Koulibaly, mesdames et messieurs, distingués invités. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la population de Tchénini et ses environnants. Tchénini, monsieur le gouverneur, fait partie de l'un des plus gros villages du Mali en termes de population. Avec une population estimée en 2021 à 6727 personnes, mais malgré cette population, pour avoir accès aux services de santé à Tchénini, il fallait se déplacer sur une distance d'au moins 10 km. Soit se rendre à Sanville, soit se rendre à Koro. Avec tous les péripéties, dont l'accessibilité des sangs qui était énormément difficile si ce n'est pas ces derniers temps. Et pour se rendre à Koro avec l'insécurité qui sévit actuellement dans notre zone, et c'était devenu un fardeau pour la population. Donc la population de Tchénini vivait dans un calvaire en matière de santé. C'est ainsi que l'association des jeunes pour le développement et le progrès de Tchénini qui a été créée et qui a su fédérer la population de Tchénini autour des projets de développement, dont la question de santé. C'est ainsi que cette association a décidé de construire un centre de santé pour soulager la population de Tchénini. Nous avons approché nos autorités administratives, sanitaires et politiques qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans nos activités. C'est le lieu ici de remercier le médecin-chef du district sanitaire du Sang, le président de la FELASCOM, honorable Adama Diété Koulibaly. Monsieur le gouverneur, ce centre de santé que vous allez inaugurer tout à l'heure a été entièrement financé par la population de Tchénini et ses ressources. Qui a coûté, par la tête de plus de 120 millions en termes de construction, équipement et dotation en médicaments. Dans les détails seront donnés tout à l'heure par le président de la commission de construction. Ce centre de santé est composé d'un bureau pour le médecin, un bureau pour sage-femme, une salle d'accouchement, des suites de couches, deux salles d'observation, une salle de réunion, une salle de soins et une pharmacie dépôt de médicaments. Il faut signaler aussi que tout le personnel a été recruté sur fonds propres par la communauté. Pour répondre aux exigences de l'air, nous avons décidé de recruter un médecin,
une sage-femme, une matrone, une gérante, un gérant de pharmacie, un technicien de surface et un gardien. Monsieur le gouverneur, dans un futur proche, nous avons dans le projet afin de réduire drastiquement le coût de la prise en charge au niveau de notre centre de santé, mettre en place un système de mutuelle permettant de soulager la prise en charge, afin de mettre en place le système du tiers payant. C'est en effet va pérenniser les activités du centre et optimiser la prise en charge. Pour finir, nous sollicitons nos autorités en matière de personnel encore et d'équipement. Donc, nous ne serons terminés sans remercier également le chef du village, vraiment qui nous a beaucoup accompagnés dans cette activité. Je vous remercie. Gouvernement
soit l'imam de Ropi. Pauvreté à Dija, à Totro Nini, à Oukaraké Totro Nono, c'est un gouvernement de Métro. Au bout de l'an, un an Nini, quand on a sauvé Totro Nini, nous sommes médecins, il y a ça, on sera à l'intelligence ou la facture au Mina. Donc, un médecin de Nini, la sage-femme de Nini, Matron de Mamolo, un espoir de Nini, Ani yo Joshua on est gardien. Donc au personnalis best casse la communauté de camp. Aya pour rango ame wati natana. Atna de wati jay ame la wika yo tuli. Ka essayer ka mission de discuter là. Au mais les choses ça me nous met en poko ka. Ou le créer finalité en réalité. Donc nous be jana ka ko na se ko discuter là. Ou ka continuer au là avec créer un noya musaka noya ko se et à pas permettre ça. Donc, on a fait un peu de temps. Donc, à ça, anti-clacan, à venir de mes personnels, à l'équipe Mangola. Au décor, donnez-vous beaucoup maintenant, comme vous le dites, maman. Alhamdulillah, Amanga, docteur Fou, à Paraka, voilà, voilà le mot qui est un certain, voilà, j'allais y faire mieux sur Ola. Voilà, maintenant, on va faire. Jemaah.